mais je vous raconte même pas. Il paraît que demain il fait 26. Aujourd'hui on a à peine 15. Enfin bref, c'est pas grave. Je suis pas là pour vous parler du temps. Une petite vidéo aujourd'hui parce que je vous avais parlé il y a quelques temps que j'avais acheté des vernis de la marque Rimmel, les Sweetie Crush, dans mon Intermarché. Et moi j'en avais trouvé 3. Et en regardant sur... Et j'adore ces vernis. Et en regardant sur internet la collection, je me suis rendu compte qu'il y en avait 5. Donc moi j'en avais acheté un bleu, un rose et un violet. Et il y avait un jaune et un vert que je voulais absolument pour cet été. Malheureusement, en magasin Intermarché, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait plusieurs magasins. J'ai également été chez Leclerc voir un petit peu. Chez Géant. Enfin bref, je les ai jamais trouvés. Et hier en allant, enfin avant-hier en allant chez Monoprix, je les ai enfin trouvés. Donc j'ai pris les deux. Et je suis méga trop contente de les avoir. Donc ce sont... je voudrais bien retrouver mon petit... Ça se casse la figure, donc je sais pas où je l'ai mis. Enfin bref, au niveau des prix, il me semble qu'ils étaient dans les 5 euros. Aux alentours des 5 euros. Je crois que c'est un peu moins cher chez Intermarché et un peu plus cher chez Monoprix. Donc au niveau de la collection... Hop, je vous les montre... Donc ils sont comme ça, vous voyez, c'est des couleurs très très jolies, très très pastel. Donc qu'est-ce que c'est que ces vernis? Alors je vais vous prendre le bleu pour vous le montrer. Donc les Sweetie Crush de chez Rimmel, ce sont des vernis sablés. J'adore la texture de vernis sablé, pour moi c'est super sympa. En plus j'ai pu les tester, donc je peux vous en parler très bien, puisque j'en ai testé 3 et les deux autres, je les ai pas testés, mais bon c'est la même chose. Hein. Donc... C'est un peu une collection un petit peu qu'il faut penser aux bonbons, aux berlingots, parce que les couleurs sont vraiment très, très, très girly, très un peu pastel d'ailleurs, mais très sympa. Donc le premier que je vais vous parler, c'est le bleu. Donc c'est le 012 Blueberry Whiz. Voilà. Donc il est comme ceci, vous voyez, très très jolie texture, très sympa. J'adore la texture, ça fait un peu... Voilà. En plus, ces petits flacons sont très sympas. Donc, ce sont des 8 ml, mais franchement, c'est d'une collection d'été. Donc, je pense que je vais m'en servir cet été. Et puis qu'après, même s'ils sont finis, c'est pas bien méchant. Hein. Même les flacons sont très jolis parce que vous avez le petit machin là. Voilà. J'ai trouvé ça très sympa. Donc, voilà pour le bleu. Le 012 Blueberry Whiz. Ensuite, vous avez le violet. Le 011 violet Swizzle. Voilà. Très très sympa aussi celui-ci. Je ne suis pas une adepte du violet, mais ce parme léger là, j'adore. Voilà. Ensuite, vous avez le 09 Candy Floss Cutie. Un très très joli rose. Pour moi, celui-ci, c'est mon coup de cœur et mon chouchou. Très très joli. Voilà. Un rose limite corail. Vraiment très très beau. Vous avez le 08 Sherbet Sweetheart. C'est un jaune. Très très joli aussi. Couleur soleil. Voilà. Très sympa. Et le petit dernier de la collection, c'est le 010 Fizzy Applelicious. Donc c'est un vert pomme très clair qui est vraiment magnifique, à la limite d'un vert pistache même. Très très jolie couleur également. Donc voilà, je suis super contente d'avoir enfin réussi à les avoir tous. Alors moi je vais vous parler maintenant un peu de la tenue. Franchement au niveau de la tenue ça tient super 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 bien. Le rose que j'ai posé, je vous parle du rose parce que c'est celui que je me rappelle le plus, parce que j'ai posé aussi le bleu et le violet. Je l'ai gardé facilement 5 jours et j'avais seulement le bout de l'ongle qui commençait à... Vous savez le petit côté sablé s'en aller en bout d'ongle. Mais franchement, puis en plus j'ai fait plein de trucs cette semaine là, donc mes ongles ils ont franchement un peu morflé. Très 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 bon vernis, ça tient super bien, ça s'enlève super bien aussi, ça j'avais peur parce que souvent les vernis un peu sablés comme ça, sugar mat sablé, ça s'en va très difficilement, et cela un coup de dissolvant et ça partait tout de suite. Donc voilà, très très franchement, très très bon, très très bonne tenue, ça s'enlève très très bien même avec un dissolvant sans acétone, puisque moi j'utilise pas d'acétone vu que j'ai des ongles en gel.
Donc voilà, très très bon vernis, franchement je vous les recommande pour le prix, ça vaut vraiment le coup. C'est une collection qui je pense va m'accompagner tout cet été parce qu'ils sont vraiment très très jolis. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous les avez, que vous les aimiez ou pas, bah dites-moi ce que vous en pensez en barre d'infos, en commentaire. Et j'essaie de vous mettre un lien où vous pouvez les trouver sur internet. Je sais qu'on peut les trouver sur Asos, je crois. J'essaie de vous mettre le lien. Et sinon, Intermarché ou Monoprix. Voilà. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous. Profitez du beau temps si vous l'avez. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les filles !